La reine a été libérée ici. Parfait. Sortez-vous les filles. Allez. C'est là, il me paraît pas trop. J'ai pas trop l'impression qu'il est. C'est bizarre. Il est quoi? Ouais. Il est quoi? Mais sur celle-là, elle est un peu bizarre, je sais pas. Beaucoup de mal. Là, il n'y a pas de pente. C'est vraiment bizarre. Est-ce qu'elle ne me l'aurait pas tué sur celle-là? Ah, il y a des cellules royales. Des cellules royales. C'est quoi? C'est parce que... je sais pas. Je crois que la reine, elle est morte. La reine, elle est morte? Je crois. Il y en a une. Ah, ben celle-là, elle a été grignotée sur le côté. Laquelle? Celle-là. Là. Ah ouais. Il y avait un gros bourdon dedans, hein. Je l'ai vu là. Tu vois là? Ouais, c'est des gros bourdons, ça. Ouais. Moi, j'ai pas vu la reine. Qu'est-ce qui se passe alors? Ah, il n'y a pas la reine non plus. Ah, ils ont tué la reine. C'est qui l'ont tué? Les abeilles. Bah, pourquoi ils l'ont tué? Ah, ben ça. Est-ce que tu t'entends bien? Va chercher, va savoir. Ils ont. Mais. Il y a une grosse cellule royale en bas aussi. Ah oui, donc il y aura je sais pas combien de reines. Je sais pas si elle est née ou pas celle-là. Où? Celle-là. Là, regarde la future reine. Ah ouais, ouais mais t'es en train de la. Oui, elle est venue. Je l'ai enlevé, mais je vais laisser les autres parce que je trouve pas ma reine. Je trouve pas la reine et il n'y a pas de ponte. Donc la reine, elle n'y est pas là, c'est sûr. Ah oui. Donc je vais laisser les autres cellules. Mais je veux pas en laisser trop parce que sinon. Sinon, il y en aura 4 reines ou moins. Bon, bah écoute, tant pis. Hein. Celle-là, ça n'a pas marché. Je pense que la reine, elle est née même. Elle est? Elle est née déjà, je pense. Laquelle? Attention. Laquelle? Parce que ça, ça a été mangé sur le côté. Ça, ça a été mangé. Eh bien, celle-là, elle est née, tu vois. Regarde. Regarde, tu vois le rond, il est ouvert là. Ah ouais. Donc ça veut dire que là-dedans, il y a une reine. Il y a une maman, mais qui ne peut pas encore pondre. Oui, donc je vais refermer. Elle est petite encore. Exactement. Donc, celle-là, elles n'ont pas accepté. Bon, ben, écoute, tant pis. Hein. C'est comme ça, ça marche pas à tous les coups. Oui. Ça bourdonne de plus en plus. Eh, hey, le cadre là, il a été mangé. Là, le cadre. Ça? Oui. Mais non, ça c'est une partition, c'est une cadre en bois, tu sais. Pour faire quoi? Eh ben, pour empêcher, pour montrer aux abeilles que ça sert à rien qu'elles aillent plus loin. C'est plus leur ruche, tu sais. Ah oui, parce qu'il n'y a plus de cadre. Ouais. Bon, mais celle-là, je sais pas qu'est-ce qu'on va en faire. J'espère que l'autre, ça se sera mieux passé. Alors sur celle-là, il n'y a pas beaucoup d'activité parce que du coup, elles ont tué la reine que j'avais introduite et donc elles ont fait la leur. Et en fait, je suis repassé, mais c'était trop tard. Quand je suis repassé, elles avaient déjà la leur était déjà née. Donc tout simplement, ben, on va regarder si ça, si c'est né ou pas.
va sortir ça, ils ont bâti là-haut. C'est pas cool, mais bon. Là, ils ont bâti, ils ont attaqué mon cadre. Alors, est-ce que la reine est née? Parce que souvent, quand la reine n'est pas née, les cadres à bâtir, comme ça, elle les laisse. Il y a des œufs. Il y a des œufs, donc il y a une reine. Donc, je ne vais pas la chercher maintenant. Je regarde vite fait sur ce cadre, parce que souvent, elles sont sur le premier cadre. Je ne vais pas l'embêter maintenant à la marquer, mais prochaine visite je marque. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire tac, hop, je vais décaler d'un cran celui-là et je vais mettre celui-là ici. Par contre, je ne vais pas rajouter de cadre à bâtir parce qu'en fait, le temps que les nouvelles abeilles naissent, il y en a pour environ 3 semaines. Donc on va avoir en fait un trou d'abeilles d'ici 3 semaines. Donc, je ne vais pas rajouter d'abeilles sur celle-là. Je ne vais pas rajouter de cadre à bâtir. Allez, on va juste voir la dernière.